Il y a un mois, Amandine Henry disputait avec ses équipières de l'Olympique Lyonnais la finale de la Coupe de France face au LOSC. C'était la suite d'une saison chargée avec le championnat de France qui venait de se terminer par un 12e titre pour la Lilloise, mais aussi la Ligue des Champions et la Coupe du Monde qu'elle va disputer pour la deuxième fois. C'est un rêve de petite fille, hein, déjà de jouer une Coupe du Monde, mais en plus dans son pays, ça n'arrive pas à tout le monde et je pense qu'il faut savourer. Et puis on va mouiller le maillot pour partager beaucoup d'émotions avec le peuple français parce que voilà, on en rêve. Amandine Henry remportait à Châteauroux sa 7e Coupe de France. C'est d'ailleurs elle qui va ouvrir le score sur coup franc pour Lyon. Un nouveau trophée dans une armoire bien garnie puisque la joueuse nordiste compte également 6 Ligues des Champions à son palmarès qu'elle s'est bâtie dans le meilleur club d'Europe aux côtés d'autres pointures comme Wendy Renard qu'elle côtoie depuis longtemps en sélection. Déjà son but il nous fait extrêmement de bien parce que c'est le premier et ça débloque la situation. Après on connaît toutes, tous. Amandine, ce qu'elle est capable d'apporter à une équipe. Née à Lille il y a 29 ans, Amandine Henry a commencé le football à l'âge de 6 ans. Elle a successivement joué à l'OSM Blaubois, à l'IRIS Club de l'Ambersart et au Football Club d'Edin-Beaumont avant d'arriver à Lyon en 2007. Elle compte aussi 83 sélections en équipe de France dont elle est devenue la capitaine. La Lilloise constate un véritable engouement pour le football féminin. Ça évolue de plus en plus au niveau médiatique, au niveau du jeu, de tout ce qui se passe autour. On voit qu'il y a énormément d'engouement. Comme là ce soir, il y avait beaucoup de supporters, donc ça fait plaisir. Il a également remporté le ballon d'argent qui récompensait la deuxième meilleure joueuse lors de la Coupe du Monde 2011. Mais elle est toujours à la recherche d'un grand titre international avec l'équipe de France. Ce sera peut-être cette année à l'occasion de ce mondial organisé en France.